Nous en arrivons donc aux questions orales et à la première question numéro 125 de M. Jean-Pierre Chauveau à Mme la ministre de la Réforme, de l'État, de la Décentralisation et de la Fonction publique. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, M. le Président. Madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur les appels de cotisation de la médecine du travail pour les collectivités territoriales. En effet, toutes les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale sont soumis à une stricte obligation de versement de leurs cotisations. Le montant de celle-ci est calculé en fonction de l'effectif déclaré. Ce mode de calcul serait bien compréhensible si chacun des salariés était réellement convoqué à une visite annuelle ou à une visite biennale. En principe, ces visites périodiques ont théoriquement lieu tous les 24 mois. Une dérogation est même possible au-delà de 2 ans sous réserve de l'obtention d'un agrément du service de santé au travail. Cependant, le paiement par les collectivités reste annuel et son calcul se fait chaque année. Il existe un réel décalage entre le principe et la réalité. Ce décalage m'a été confirmé par toutes les collectivités que j'ai pu interroger. Ainsi, pour prendre un exemple, la communauté de communes que je préside, seulement 20% des salariés sont en moyenne examinés chaque année, ce qui fait une fois tous les 5 ans. En pratique, on peut constater que les services de la médecine du travail examinent les salariés très au-delà de la limite des 2 ans. Bien sûr, les salariés peuvent toujours être examinés à leur demande. Ma question n'a pas pour but de remettre en cause le fonctionnement de ce service. Ce qui motive ma question est en réalité le mode de calcul des cotisations. En effet, au regard des visites réellement effectuées, l'établissement d'un nouveau mode de calcul pourrait permettre aux collectivités locales et à leurs EPCI d'échapper à des dépenses indues. Concrètement, aujourd'hui, compte tenu des sommes versées, une visite médicale périodique effectuée, réalisée, coûte aux alentours de 500 euros par personne, par agent. Par ailleurs, en Sarthe, santé au travail, ces visites ne sont plus effectuées par des médecins, mais par des infirmières spécialisées. Aussi, je souhaiterais savoir si le gouvernement envisage d'établir un nouveau mode de calcul. Celui-ci pourrait s'établir en fonction de la réalité du service rendu, ce qui me semblerait tout à fait logique. Il ne s'agit pas de réduire le financement des services de la médecine du travail, mais plutôt de le moderniser pour permettre un paiement à l'acte. Cette réforme permettrait aux collectivités d'économiser la moitié de leurs dépenses liées aux visites périodiques et qui ne sont pas réalisées. Je ne souhaite pas ouvrir une polémique, mais trouver avec pragmatisme dans ce domaine des pistes pour faire des économies. Par avance, Madame la Ministre, je vous remercie de votre réponse. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Anne-Marie Escoffier, ministre chargée de la décentralisation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur Chauveau, Madame Marie-Lise Lebranchu aurait souhaité être là pour répondre plus précisément, peut-être que moi encore, à la question que vous venez de poser, mais elle est retenue ce matin par l'ouverture des négociations syndicales dans le cadre de la fonction publique. Donc elle m'a chargée de répondre à cette question. Vous l'avez dit, votre objectif, ce n'est pas du tout de modifier le contexte dans lequel la médecine du travail et la médecine préventive est organisée, une médecine préventive qui est organisée dès lors que la loi de 84 l'a prévue avec son décret d'application du 10 juin 85. Vous savez que normalement, chaque collectivité est tenue d'organiser un service de médecine préventive qu'ils peuvent créer ou adhérer à un service commun. En fait, il y a 3 possibilités au moins. La première, c'est de faire appel à un service de santé au travail, régi par le titre 2 du livre 6 de la 4e partie du Code du travail, service de médecine inter-entreprise ou service de santé au travail du secteur agricole. C'est la première possibilité. La deuxième, et qui se développe beaucoup sur nos territoires, c'est de faire appel à ces associations à but non lucratif qui se sont créées justement pour répondre à cette obligation de médecine du travail. Et enfin, ce sont les conditions conventionnelles, soit par le versement d'une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire due au centre de gestion, soit à la possibilité de disposer d'un service de médecine préventive qui existe au centre même. Je le rappelle simplement, mais je voudrais aussi rappeler la difficulté dans laquelle aujourd'hui se trouve la France pour avoir des médecins de médecine du travail. Vous savez que c'est une des spécialités qui est les plus difficiles et on manque cruellement de ces médecins de médecine du travail. Or, les médecins de médecine du travail ont 2 missions. Ils ont une mission de santé
plus de santé, une mission de santé en milieu de travail et une mission de médecine préventive. La mission de médecine préventive ne porte que sur un tiers du temps d'activité de ces médecins, un tiers ou un peu plus, et donc il y a un partage. Ce qui fait que, effectivement, comme vous l'avez relevé, nos fonctionnaires ne bénéficient pas d'un contrôle tous les ans, mais comme vous le dites, 20% d'entre eux et au mieux tous les deux ou les trois ans, alors que la cotisation, elle est calculée chaque année. Cependant, on ne peut pas déterminer exactement ce que sera la part de ces contrôles au titre de la mission de travail, santé-travail, et ce que sera la part consacrée à la médecine préventive. Dès lors, aujourd'hui, on en reste sur cette cotisation au forfait. C'est un point que Mme Lebranchu a examiné, qu'elle continuera d'examiner avec l'ensemble de ses partenaires dans les meilleures conditions possibles pour mieux répondre à vos attentes. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, sa préoccupation ne l'amène pas à privilégier un changement de la législation et de la réglementation en cours. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Chauveau. Oui, juste un mot pour remercier Madame la Ministre. Effectivement, il faudrait qu'on arrive à trouver une solution, notamment dans les trois pistes, entre autres, que vous avez soulevées. Bon, mais je dois dire que l'idéal, ça serait quand même qu'on ait une adéquation un petit peu entre, d'un côté, les services rendus et, d'un autre côté, le paiement que réalise les collectivités à une époque, à un moment où on cherche à, par tous les moyens à serrer au maximum nos budgets. Ça me semble pas tout à fait logique. Et donc, il faut qu'on essaie de trouver des solutions qui soient mieux adaptées à la réalité. Merci.